Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui a pris nos péchés sur la croix. Et nous ne sommes plus redevables au diable. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ici cet après-midi. Tout simplement pour écouter sa parole. Et nous nous réjouissons parce que je vois notre frère Abraham qui était dérangé par la santé. Mais le Seigneur l'a relevé, il est parmi nous pour servir. Que son nom soit loué. Je vous demande de vous lever. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens. Le chapitre 2e. Nous commencerons par le 13e verset. Il est écrit: pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Je m'attendais à écouter un puissant amen. C'est pour le salut qu'il nous a choisi. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères. Demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour être consolés que nous sommes venus à lui cet après-midi. Lui qui doit nous affermir dans la foi, parce que nous nous préparons à un événement que le monde n'a pas encore vécu. L'enlèvement de l'église épouse, c'est pour très bientôt. Et c'est en vue de cela que nous venons toujours pour écouter sa parole afin qu'il puisse nous préparer. Nous allons prier. Chacun va prier. Nous prierons aussi pour celui que le Seigneur a choisi pour nous parler. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Dès lors qu'il va prendre les Écritures pour nous les donner, c'est Dieu qui parle à chacun de nous. Alors nous allons chacun prier pour lui-même, pour les attentes que nous avons, pour tout ce que nous attendons du Seigneur, pour qu'en quittant ces lieux, nous puissions aller avec un bagage bien fourni, que chacun puisse recevoir les bénédictions venant du Seigneur, au travers de sa parole, et ainsi, il va continuer à nous protéger, nous garder. Nous prions. Bien-aimé Seigneur, ce frère, que tous tes disciples le sont pour la gloire du nom de Jésus. Tu nous as conduits en ces lieux pour nous parler, Seigneur. Alors nous avons besoin de t'écouter. Loin notre entendement, Seigneur, et bénis le frère que tu vas utiliser. Oui, Seigneur, toi tu vas simplement souffler dans cette trompette. Oui, mais c'est un homme par qui tu vas nous parler. Nous avons foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha, comme nous venons de le chanter. Tous nos péchés, lui, il les a ôtés. Nos soucis aussi, il les a pris.
Voilà pourquoi nous voulons que tu puisses parler à mon cœur, Seigneur. Tu sais combien le monde nous a déçus. Nous ne pouvons plus rien entendre de ce monde. Mais nous désirons que toi seul, tu puisses prendre la vie de chacun de nous, marcher avec nous dans la foi, parce que c'est pour le salut que tu nous as choisis. Ô Seigneur, tu aurais pu faire ça avec quelqu'un d'autre, mais tu nous as choisis et tu veilles sur nous. En tant que petit troupeau, Seigneur, nous voulons compter sur le mérite de Jésus-Christ. Soutiens-nous et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous nous recommandons à toi, nous qui sommes déjà là et ceux qui sont encore en cours de route, Seigneur. Même ceux qui n'auront pas l'occasion de s'approcher de ces lieux, nous voulons que les mêmes bénédictions que nous aurons puissent l'être aussi pour les autres, Seigneur. Nous voulons marcher comme toi tu veux. Soutiens-nous et garde-nous toujours dans la foi. Au nom de Jésus. Bien-aimé Seigneur, c'est auprès de toi que nous nous approchons cet après-midi, désirant que tu puisses encore nous parler. Parce que quand toi tu parles, les âmes sont guéries. Il y a les malades aussi qui peuvent guérir simplement à l'écoute de ta parole. Nous désirons que tu puisses nous redresser, Seigneur. Parce que la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Si nous sommes venus en ces lieux, nous désirons que toi tu parles. Toi qui connais mieux ce qui se trouve dans le cœur de chacun de nous. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Tu connais nos manquements. Tu connais aussi nos attentes. Mais beaucoup plus la foi que tu as placée en chacun de nous. Oui, Seigneur. Nous voulons aussi te recommander ton serviteur. Utilise sa bouche pour notre bénédiction. Bénis-nous qui sommes déjà là. Et ceux qui viendront après, Seigneur, même ceux qui n'auront pas l'occasion d'être là cet après-midi, nous désirons qu'ils puissent bénéficier aussi de toutes les bénédictions que nous aurons en ces lieux. Nous te recommandons la direction de ces cultes depuis le début jusqu'à la fin, afin que la gloire puisse te revenir, puisque nous te l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous appelons notre frère. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous. Nous lui sommes encore infiniment reconnaissants parce qu'il a rendu cette réunion possible encore. Que son nom soit loué. Notre frère nous a lu une merveilleuse écriture. Déjà au verset 13, il est dit 2 Thessaloniciens 2, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, êtes-vous bien-aimés du Seigneur? Oui, nous le sommes. Le mardi, nous disions que nous avons en partage la même foi. Frère Branham disait, l'attitude que l'on affiche aujourd'hui serait la même qu'on afficherait du temps de Jésus. Parce qu'aujourd'hui nous sommes des croyants, même si nous avons été en ce temps-là, notre attitude devait être la même. Amen. Des croyants, nous le sommes. Bandimi, tozali bandimi. Les bien-aimés du Seigneur, nous le sommes. Baningami ankolo, tozali ango. Alors, l'apôtre dit, Wentoma lobi, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Tosengeli pona bino kozong sera tango nyoso matondi epayi na Nzambe. Pas que Dieu vous choisira. Poeten,
Mais Dieu vous a déjà choisi. Vous êtes des élus de Dieu. Acceptez ce que Dieu dit de vous. Dès le commencement, pour le salut, par la sanctification de l'esprit. Oui, bien-aimé frère. Quand il dit soyez purs, c'est nous-mêmes qui allons nous purifier. Lui-même qui a dit soyez purs, il a prévu de sa parole. Il a pourvu à sa parole. Et nous venons seulement aux eaux pour être purifiés. Et c'est lui-même qui nous purifie. Alors il dit par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Voilà qu'un élu de Dieu, il ne peut pas aller dans n'importe quoi, et il ne peut pas croire aussi n'importe quoi. Lui ne croira que ce que Dieu a dit et ce que Dieu a dit qui est la vérité. Alors le verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a dit, il le fera. Déjà nous avons l'évangile, cette bonne nouvelle qui nous prépare, et bientôt nous allons avoir cette gloire. Oui, bien mes frères, vous savez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 5, les élus de Dieu, ils verront Dieu. Ça c'est vrai. Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous, chaque jour que nous avons réunion, nous venons tels que nous sommes. Nous écoutons la parole. Elle nous purifie. Et à la fin, nous serons parole de sa parole. Et quand il revient, nous nous le verrons. Ça c'est la vérité. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. L'épouse de Christ vit de chaque parole. Quand la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous nous disons amen. Jésus est Dieu. Quand la Bible dit il est fils de Dieu, nous disons amen. Quand la Bible dit il est fils de David, il est fils d'Abraham, nous croyons, nous disons amen. Mais il y a des gens qui trient et qui trient. Ils trient pour se choisir certaines paroles qu'ils peuvent croire et d'autres qu'ils ne peuvent pas croire. La particularité de l'élu, il croit chaque parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Regardez même dans l'Ancien Testament, frère. Dans Exode 24, il y a des élus, parce que parmi le peuple d'Israël là, tous n'étaient pas élus. Vous savez, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait même des ramassis qui étaient là, qui ont fait beaucoup de problèmes à Moïse. Mais les élus de Dieu, ils ont vu Dieu. Exode 24, lisons à partir du verset 9. Il est dit là-bas, Moïse prit, s'il vous plaît, je voulais dire Exode, oui, c'est là, Exode 9. Moïse
monta avec Aaron. Mulongo ya libwa Mose amatakana alona. Nadab et Abihu. Nadabo pe Abihu. Et 70 anciens d'Israël. Pe bantuku sambo ya bampaka ya Israël. Écoutez le verset 10e. Boyoka mulongo na zomi. Ils virent le Dieu d'Israël. Ba monaka nzambe na Israël. Sous ses pieds. Na makolo na ye. C'était comme un ouvrage de saphir transparent. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dieu n'étendit point sa main sur les élus des enfants d'Israël. Ici dans nos Bibles, c'est dit l'élite. Des enfants d'Israël. L'enseignant que Dieu nous a donné. Il dit, ce sont les élus des enfants d'Israël. Ils virent Dieu. Et ils mangèrent et burent. Bien-aimés frères. De la même manière. Qu'il y avait des élus dans l'Ancien Testament. De même dans le Nouveau Testament. Comme Dieu s'était choisi Israël. C'est ainsi qu'il a jeté le regard parmi toutes les nations. Pour se choisir un peuple. Qui doit porter son nom. Ce peuple choisi de Dieu. Il a la nature de Dieu. Il a la vie de Dieu. Il a l'enseignement de Dieu. Il a tout ce qui est de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez dans Jean chapitre 6. Frère Branham prenant ses écritures. Il a prêché sur les trois sortes de croyants. Les incrédules, les soi-disant croyants, et les vrais croyants. Les élus sont dans le groupe des vrais croyants. Nous sommes même un peu là à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même, et ses disciples murmuraient à ce sujet, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme, montez où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croyaient pas. Le Seigneur nous connaît tous. Il connaît qui croit et qui ne croit pas. C'est pas parce que quelqu'un peut se dire je suis élu qu'il est laid. Mais un élu aussi se reconnaître élu. Parce que Dieu l'a choisi. Et parce que Dieu l'a choisi. Lui aussi doit connaître. Parce que c'est une profondeur qui appelle une profondeur. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas, quelques-uns qui ne croient pas. Écoutez. Car Jésus avait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Oui, bien-aimés frères, c'est Dieu qui nous a choisis dès le commencement, comme nous l'avons lu. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux douze.
Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre a parlé au nom de tous les élus. Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Bien aimé frère, même s'il y a des difficultés, même s'il y a la souffrance, peu importe ce qui peut arriver dans la vie d'un vrai croyant, d'un élu de Dieu, il n'abandonnera pas le Seigneur. Même dans les maladies. Vous savez, nous voyons la grâce de Dieu. Même dans la maladie. Même dans les temps difficiles. Oui, bien mes frères. Regardez, la Bible dit. Paul était malade. Il dit, il a prié trois fois. La réponse du Seigneur était: ma grâce te suffit. Nous voyons le Seigneur. Nous voyons la grâce de notre Dieu. Même dans les difficultés. Paul n'a pas rétorqué pour dire: moi je te demande, je prie pour les autres, ils sont guéris. Mais moi-même je peux prier, tu ne veux pas. Tu me parles de la grâce. Il ne résiste pas à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu lui dit, il croit. Alors quand le Seigneur a vu ça, il ne pouvait pas, parce qu'il a vu que ces gens avaient déjà compris. Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Et tu es le Christ. Et tu es le Christ. Le Saint de Dieu. Mon Santo Yanzambe. Amen. Bien mes frères. Ça, c'est la particularité des élus. Ils ne sont pas à la quête des miracles. Oh là là, regardez. Remontons un peu haut là. Toujours dans Jean 6. Nous allons voir que le premier groupe là de disciples ont suivi le Seigneur à cause des miracles. Parce qu'ils avaient mangé. Oh bien mes frères. Nous avons besoin que le Seigneur fasse des miracles. Mais nous ne sommes pas à la recherche des miracles. D'ailleurs la Bible dit: voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes devant. Les miracles nous suivent. Nous ne pouvons pas être à la quête ou à la recherche des miracles. Bien mes frères, il y a même des prodiges mensongers. Surtout dans votre ville ici. Vous n'allez pas dire que ceux qui remplissent des stades là. Supportez-moi un peu. Quand je suis venu malade là, une femme, une voisine de la grande sœur là où je suis, allait dire à son pasteur, il lui dit: j'ai vu quelqu'un qui est aussi serviteur de Dieu, vraiment il souffre, est-ce que tu ne peux pas prier pour lui? Il dit: bon, comme ça je vais le voir. L'homme vient, il me dit, des choses là. Frère, à la minute là, l'homme commence à prophétiser. Il prophétise. Est-ce que Dieu du ciel est obligé de parler à cet homme pendant autant de minutes comme ça, donnant seulement des prophéties? Je crois que quand je te vois, Dieu me montre. Maintenant, je ne voulais pas le bloquer un peu dans ce qu'il disait. À la fin, je lui demande: maintenant, tu veux quoi? Il faut quoi? Oh non,
On travaille avec le chiffre 5. C'est-à-dire ça commence par 50 000 ou 50 dollars. J'ai dit, ah, mais Dieu dit, je vous ai donné gratuitement. Donnez aussi gratuitement. C'est ça les prophéties. C'est si que vous remplissez les stades, vous remplissez les églises. Avec le mensonge comme ça. Bien mes frères, Dieu nous a choisis. Dès le commencement, pour le salut, et pour que nous possédions la gloire. Les biens de ce monde ici, c'est vrai, nous en avons besoin. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est la gloire. Oui, bien mes frères. Maintenant regardez, à partir même du verset 2e. Une grande foule le suivait. Parfois on pouvait dire, ah, voilà, nous avons une grande église. C'est la Bible qui dit, une foule le suivait le Seigneur. Lui comme il était Dieu, il ne se fiait pas à ça. Parce qu'il connaissait déjà ceux qui étaient dans leur cœur. Une grande foule le suivait. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. C'était seulement les miracles qui les intéressaient. Sautons alors au verset 5. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venant en lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un des disciples, André, père de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela vaut pour autant de gens comme ça? Un disciple mais qui n'a pas tellement de foi. Il ne voyait pas la grandeur de Dieu. Lui ne voyait que la foule. Mais il ne pouvait pas aussi voir le miracle de Dieu. Et Dieu nous aide à voir comme Dieu voit. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'air. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Que Dieu augmente notre foi. Parce que, à moins qu'on soit véritablement croyant, pour voir qu'avec 5 pains, 2 poissons, 5000 personnes, même si c'est ici même, dans notre église, on vous présente 5 pains. Voilà, deux poissons. On dit distribuer à tous ceux qui sont. Mais Dieu vous demande de ne pas douter. Que Dieu nous bénisse. Nous ne devons pas douter. Parce que Dieu savait ce qu'il allait faire. Que Dieu soit loué. Maintenant regardez frère. Il a fait ça. Au verset 14, la Bible dit, ces gens ayant vu le miracle, d'abord le verset 13, un peu plus haut, là, on n'a pas terminé. Jésus prit le verset 11. Jésus prit les pains. Rendit grâce. Et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons. Autant qu'ils en voulaient.
Lorsqu'ils furent rassasiés, batondaki, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains na et de 2 poissons. S'il vous plaît. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Seulement à cause de miracles, vous voyez qu'il est prophète. Bien mes frères, nous ne serons pas couronnés au début de la marche ou au début de la course. C'est pourquoi Paul dit, l'athlète est couronné s'il a combattu d'après les règles. C'est à la fin que l'athlète est couronné. Voyez notre pyramide, la base est trop grande. Maintenant quand elle monte, voyez, elle se rétrécit. Bien aimé frère, l'athlète est couronné à la fin de la course. Voilà qu'au début, les 5000 se sont ajoutés. Ils étaient là, ils chantaient, ils louaient, ils faisaient des choses. Mais le Seigneur les connaissait. Il ne les a pas chassés de n'importe quelle manière. Sautons un peu, allons dans au verset maintenant 43. Il dit, alors dit Jésus leur répondit, voilà, parce que c'est long, ce sont des écritures que vous connaissez. Voilà qu'ils ont suivi le miracle. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Voyez les autres, ils ont suivi le manger, ils ont vu le miracle. Mais le Seigneur dit, celui que le Père lui a dit au fils, celui-là il doit d'abord écoutez le Père parler et il a reçu son enseignement. Pour ces gens ici, ce groupe de vrais croyants, les autres choses là sont éphémères. Ce sont les choses qui sont qui ne sont pas tellement urgents ou utiles tellement pour eux. Ceux qui les intéressent plus, qu'a dit le Père, c'est dans sa parole. Et il garde l'enseignement. Celui qui n'a pas vu le c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis. Solo, na lobi na bino. Celui qui croit en moi. Oyo andimeli ngai. A la vie éternelle. Azali na bomoi na seko. Je suis le pain de vie. Ngai na alipa ya bomoi. Amen. Amen. Bon, sautons un peu. Allons rapidement, verset 52. D'abord, 51. Je suis le Père vivant. Il est descendu du ciel. Maintenant, il leur donne la parole. C'était un test. Pour voir maintenant qui tiendrait. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai. Peut-être qu'il s'attendait, il disait, ça on avait mangé le pain acheté,
Mais maintenant, je ne sais pas quel pain il va encore nous donner. Est-ce qu'il a amené ça du ciel? Maintenant, il leur dit, le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. Et les gens étaient scandalisés. Moïse nous a dit, Moïse a l'obaki na biso. Pas manger la chair, pas boire le sang. Toi, tu t'es dit, et même là qui avait dit qu'il était prophète, il change. Cet homme veut nous rendre quoi? Et la suite? La conséquence, ils se sont retirés. Le groupe des incrédules. Des gens qui ne pouvaient pas croire la parole. Malgré ça, ceux qui sont restés, le Seigneur ne les a pas laissés comme ça. C'est ce qu'il a dit. Les autres sont partis. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Bien-aimés frères, ce n'était pas facile. Les 12 qui étaient restés, le Seigneur voyait que il cherchait la qualité des gens, la qualité des croyants. Il ne suppliait pas. Il dit, les autres sont partis. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez aussi comme les autres. Alors que Pierre, le type des vrais croyants, il a dit, nous n'avons où aller. C'est toi qui a les paroles de la vie éternelle. Bien aimé frère, ça c'est notre position. Maintenant regardez, il dit, oui c'est vrai ce que vous avez dit là, je vous connais tous, c'est moi qui vous ai choisi. Mais au milieu de vous, parmi les 12 là, il y a un démon. La Bible dit, il parlait de Judas, un traître. Il savait que c'est lui qui le trahirait. C'est ça la mauvaise position. La très mauvaise position. Un soi-disant croyant. Il est là, mais il ne croit pas tout ce que le Seigneur dit. Il n'a pas la nature de Dieu, il n'a pas la vie de Dieu. Parce que le Seigneur n'était pas traître. Mais lui, au lieu même de suivre les incrédules, il reste dans l'église pour faire des problèmes dans l'église. Vous vous rappelez, une fois une femme pécheresse qui avait fait beaucoup de sales choses, mais un jour elle s'est dit, aujourd'hui je chercherai le Seigneur, partout où je vais le trouver, que ma vie de péché se change. Une autre femme, ayant appris que le Seigneur était quelque part, elle a amené un parfum, une bouteille de parfum. Il est venu, il a oint le Seigneur. Parce que pour le Seigneur, toutes ces choses étaient significatives. Parce que le parfum, il était venu. Vous vous rappelez, les trois présents qu'on lui avait donnés, l'or, la myrrhe et l'encens. Il était Dieu venu servir en s'emparant la mort pour la femme. En amenant ça, le Saint-Esprit voulait faire voir que cet homme ici, il passera par la mort. Mais Judas s'est dit, un parfum de grand prix comme ça, il fallait même vendre ça, avoir l'argent. Et pourtant lui-même l'a trésorier. Je ne sais pas. On demande l'impôt au Seigneur. On ne voit pas dans la Bible où il dit, vérifiez un peu dans la caisse là, il y a combien. Frère dit, il volait même l'argent qui entre. Bien mes frères, un élu vit pour Dieu.
Il ne vit pas pour lui-même. Il ne peut pas venir. Il sert Dieu, il sert Satan. Non, non, bien aimé frère. Regardez ce que Judas a fait. Le type de soi-disant. Bien aimé frère. Il y a des frères parfois, des gens parfois problématiques. Oui. Parce que c'est Dieu qui a dit trois sortes. Aujourd'hui, nous, on ne les connaît pas. Mais Dieu, lui, les connaît. Mais moi, quand je vous regarde, je vous vois tous des vrais croyants. Nous voulons être du bon côté. Même si quelqu'un a quelque chose qui n'est pas bien, mais quand nous écoutons la parole, c'est pour que la parole nous transforme. William Branham disait, nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Amen. Amen. Des meilleurs parents, des meilleurs enfants, des meilleurs citoyens pour le pays. Nous ne pouvons pas venir pour devenir pire, non. Bien mes frères, voilà que les incrédules étaient scandalisés pour la parole de Dieu. Un élu de Dieu, même si la parole est dure, il la supportera. Il dira, Seigneur, la parole est dure, mais toi aide-moi. Il prête son secours aux zéros. Les zéros sont les élus. Il soutient les élus. Il ne peut jamais les abandonner. Bien aimé frère, vous savez que le Seigneur, selon Jean chapitre 5, le verset 24, si eux étaient scandalisés pour la parole, il y a des gens qui ont des interprétations particulières, surtout l'église mère, qui se prévaut de beaucoup de choses. Elle dit, je suis la première église. Mais nous disons, elle est la première organisation. La première église, c'est celle qui a vu jour à la Pentecôte. Par l'Esprit de Dieu. Et il nous a laissé l'enseignement. Jean 12 dit. Jean, je veux quand même lire ça avant de revenir ici. Jean 12. La Bible dit. À partir du verset 49, je pense. Il est dit là-bas. Car c'est le Seigneur qui parle. Car je ne peux parler de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Vous voyez qu'un vrai serviteur de Dieu ne peut pas dire des choses qui viennent de lui-même. Il dira ce que le Père a dit. Ce que le Fils a dit. Et ce que les apôtres ont dit. Parce que l'enseignement du Père, c'est l'enseignement du Fils. Et c'est l'enseignement des apôtres. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, c'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Dieu a besoin de dispensateurs aujourd'hui. Des dispensateurs fidèles. Qui peuvent transmettre fidèlement la parole. L'épouse, elle est différente des autres groupes là. Au verset 24 de Jean 5, notre Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé. 1.
Il a la vie éternelle. Il nous a choisi dès le commencement pour le salut. Et il ajoute, et ne vient point en jugement. Alléluia. Amen. L'épouse moi, c'est la Libala, ne passera pas au jugement dernier. Ça, c'est la vérité. Et notre Seigneur ne jugera pas le monde à l'église catholique, à l'église protestante, missionni, ou même par l'église branamiste. Ton église, on a branami. Non. Le Seigneur jugera le monde par sa parole. C'est pourquoi quand nous, l'épouse, nous croyons la parole, les élus, nous croyons la parole, nous ne passerons pas au jugement. Parce que déjà aujourd'hui, la Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Ici nous sommes dans un jugement. Tu t'habilles mal, tu viens ici, Dieu te juge. Tu retournes à la maison, tu dis désormais je ne porterai pas encore ça. Amen. Amen. Tu fumes peut-être au WC. Pardon? Tu fumes au WC. Tu viens ici, Dieu parle. Tu dis Seigneur aide-moi. Croyez-vous qu'il peut vous aider? Oui, il est fidèle. Il est le Tout-Puissant. Il peut arrêter toute vie de péché en nous. Oh frère. Regardez. Un jour, quand le Seigneur était avec ses disciples, il vient passer. Ce qu'on frère Franck le disait. Il reprend bien sûr ce que frère Bam aussi dit. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Comme homme, il pouvait avoir faim. Il pouvait dormir. Il pouvait se fatiguer, il pouvait avoir des maux de tête. Un jour dans son humanité là, il a eu faim. Il dit à ses disciples, allons, je vois un figuier là-bas. Allons là-bas. On peut avoir des figues là-bas. Quand il arrive, ils arrivent. Ils trouvent que le figuier n'a rien. Il dit, toi, yo, désormais, tu ne porteras pas de fruits. Ils sont partis. Ils vont dans le village. Ils repassent par là. Et ils trouvent que l'arbre là, le figuier là, a séché. Jusque dans les racines. Bien aimé frère. La même parole qui a fait sécher le figuier peut faire sécher le mensonge en nous. La même parole peut faire arrêter la vie d'adultère en nous. Toute vie de désobéissance. Obéissant. Le même Dieu, par sa parole, il peut tout arrêter. Oui, bien mes frères. C'est quand nous aimons la parole. Il dit venez à ma terre que vous êtes. Venez sans argent, sans rien payer. Venez recevoir de l'eau. Alléluia. Amen. Oh, nous avons toujours dit, frère. Une coca toute noire, amenez seulement au robinet. Plus l'eau entre, la coca va se vider. Même la couleur noire là va se vider. Et à la fin, ça sera seulement de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Nous venons aux eaux. Et Dieu va nous transformer. Bien mes frères, l'épouse ne passera pas au jugement. Mais les autres là, ils vont passer. D'ailleurs, nous serons là avec le Seigneur pour les juger. Quand nous leur apportons la parole, ils ne veulent pas croire. Le temps vient où ils vont être jugés. Oh, bien mes frères, le Seigneur nous aime. Il est question que nous ayons la foi
Comme l'avait Pierre, comme il a parlé là. Vous savez la foi. La Bible dit. C'est Romains 10 que vous connaissez. Verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas des pères mycéens ou du représentant légal ou du bishop quelconque. Non. Nous, ce qui nous intéresse, la parole de Christ. Il obéit à Christ. Même si vous dites non, c'est Branham qui a dit. Il faut que ce que Branham a dit là soit confirmé par la Bible. Et quand c'est confirmé, nous chantons. Il est écrit. Et komami, cela suffit. Yangwe koki, c'est vrai. Et si, c'est fini. Et si, comme c'est écrit. Kaka, soke komami, cela suffit. Yangwe koki. C'est ça la foi véritable. Kondima solo nde wana. La foi véritable. Kondima solo. Oui, bien mes frères. Yo balinga mi bande. Dans Hébreux chapitre 11e. Hébreux zo mina moko. Regardez un peu. Bota la moke. La foi. Kondima. Regardez. Ce sont des textes connus. Or, la foi est une ferme assurance. Nzokande kondima ezali tinga yangui. Des choses qu'on espère. Ya makambo zali kolikia. Amen. Amen. La foi, ce n'est pas seulement. Oh, le pasteur a prié pour moi. Oh, pasteur a bondi, bondi le prophète a prié, on m'a prophétisé. Je n'avais pas l'argent, maintenant j'ai l'argent. Je voyage maintenant pour l'étranger. Non, il y a des choses. La foi véritable, elle est ancrée dans les promesses de Dieu. Nous croyons ce que Dieu nous a promis. Bien mes frères, nous ne regardons pas tellement aux choses terrestres, visibles. Notre foi, regardez la Bible dit, et Abraham a vu la cité, et il a salué au loin. Alléluia. Amen. Lui ne regardait pas tellement aux choses terrestres de ce monde. Lui regardait à ce qui était avant que Dieu avait promis. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oh, bien-aimés frères. La Bible dit au verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Que Dieu rende aussi pour nous le témoignage comme il avait fait avec les anciens. Mes frères, ça c'est très capital. La foi, elle est ancrée dans les promesses. Nous nous croyons que nos corps seront transmués. Notre foi repose sur ça. Nous croyons que nos morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivons. Nous serons transmués. Et ensemble, nous serons élevés avec eux. Dans les airs. Les branamistes, certains branamistes disent, Jésus est déjà venu. Il est venu. Comment? Il s'est arrêté dans les airs où il a posé les pieds sur la terre. Parce que s'il est venu jusque sur la terre, c'est un faux Jésus. Le nôtre, il s'éteindra dans les airs. Et avant qu'il ne vienne, les trois choses, le cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette, toutes les trois choses se feront au même instant. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'écoutera. Les appelés n'écouteront pas. Les soi-disant n'écouteront pas. Les incrédules non plus. Seuls les choisis de Dieu. Oui, bien mes frères. Maintenant regardez. Ils ont reçu un témoignage. Maintenant prenons le verset 7. Tous ensemble. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore. Oh yo,
divinement averti. Des gens qui ne voyaient pas encore. Et saisi d'une grande, d'une crainte respectueuse. Voilà. Voilà. Noé, Noah, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, qu'est-ce qui est venu d'abord dans son cœur? La crainte s'est emparée de son cœur. Il en est de même des élus de Dieu. Il craint quand Dieu parle. Il ne peut pas continuer à faire ce qu'il veut faire. Il doit craindre Dieu. Il doit respecter Dieu. Amen. Amen. La foi Kondima est accompagnée de l'obéissance. On ne peut pas dire je crois, mais Dieu désobéissant à la parole. Kasi, non, bien mes frères, quand nous croyons, nous sommes aussi obéissants. Oui, oui. Dio. Nous pouvons le lire. Nous pouvons le voir. Avec d'autres serviteurs de Dieu. Avec d'autres élus. Prenons même Abraham là. Abraham, voilà. C'est directement le verset 8. C'est par la foi. Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage, quoiqu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Abraham n'a pas seulement cru, mais il a aussi obéi. Dieu lui dit, sors de ta place. Va dans le pays que je t'ai indiqué. Il ne savait pas, il ne connaissait pas le pays. Mais il a accepté, il est allé. Par la grâce de Dieu, nous pouvons dire, nous connaissons déjà là où nous allons. Parce que Jean 14 a dit, je m'en vais vous préparer de place. Nous allons au ciel. Alléluia. Amen. Mes frères bien-aimés, regardez. Dans Romains chapitre 4, Abraham, ce n'était pas à cause des miracles que Dieu avait fait de lui le père d'un grand nombre de nations, comme type des élus, il avait seulement la foi. Et espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. L'espérance ne trompe point. Amen. Amen. La foi d'Abraham afin qu'il soit appelé par Dieu père d'une multitude d'un grand nombre de nations. Bien mes frères, maintenant regardez au verset 9. C'est par la foi. Nous sommes retournés là-bas. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Jésus était héritier de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec lui. Oui, bien mes frères. Maintenant le verset 10. Car il attendait la cité. Il y a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte. Et le constructeur. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez mes frères, Abraham, Dieu lui avait aussi donné les biens de ce monde. Il avait certaines richesses. Mais ne regardez pas ça. Peut-être que vous ne voyez pas. Je veux vous lire seulement une écriture. Dans Genèse 24. Mais les croyants croient. Les élus croient. Bon, Genèse 24. Genèse 24. À
partir, je cherche là où c'est là. La dot qu'il avait donnée à Eliezer pour son fils. C'est une preuve qu'il avait aussi des biens. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, argent pour la holo et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Abraham, il avait des biens. Il a donné une grande dose. Son fils Isaac. Bien aimé frère. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Malgré ce qu'il avait, que Dieu lui avait donné, il ne voyait pas cela comme étant quelque chose de très important pour lui. Il a d'abord préféré vivre sous des temps. Et la Bible dit, car il a donné une cité. Bien aimé frère. Que nous ne soyons pas distraits par les biens de ce monde. Nous en avons bien sûr besoin. Mais ce qui doit plus nous intéresser, nous devons regarder à la cité. Nous devons nous préparer pour la cité. Le Seigneur a dit, premièrement cherchons le royaume et sa justice. Le reste des choses, il donnera par surcroît. Je peux même dire, vous demandez ces biens, il vous donne. Parce qu'il dit, celui qui demande, je donne. Mais il y a des choses qu'il nous donne, même si nous n'avons pas demandé. C'est un Dieu qui peut tout. Tu peux même lui demander un peu et lui dans sa richesse. Il te donne plus. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mes frères bien-aimés, il y a encore un homme. Nous avons un hébreu ici, dans le verset 24. Non seulement il a cru, mais il a aussi obéi. Le verset 24, c'est par la foi que Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse était préparé. Moïse a succédé à Pharaon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Verset 25. Aimant Dieu être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est bien que nous, comme le roi, et d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour un peu de temps. Regardons le pauvre de Christ. Au pauvre de Christ. Comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien mes frères. Les élus ont les yeux fixés sur la rémunération. Comme nous l'avons entendu à l'introduction, pour que nous possédions la gloire. Oui, bien-aimé. C'est cela qui nous intéresse plus. Marie. Luc 1, le verset 38. Elle a reçu le message de l'ange. Mais elle ne s'est pas seulement arrêtée là. Elle a cru. Elle a obéi. Et Dieu a accompli la parole. Le fils était né. Dieu nous aime. Dieu nous a choisis. Il nous a donné sa parole. Regardez. Il a la foi et l'obéissance. Il a la nature de Dieu. Il a la vie de Dieu. Il ne vit pas autrement de ce que Dieu lui demande. Frère Branham parle d'un fermier qui avait ramassé
l'œuf d'un aigle. Et il est allé, il a mis sur la poule qui faisait sa couveuse. Et quand les petits ont éclos, bongo tango siko bana babota le petit de l'aigle était aussi là. Mwana ya mpongo azalaki pe wana. Bien mes frères, balinga mi bandeko. Il y a beaucoup d'appelés, babianga mi bazali na bango ebele. Mais il y a peu de nuls. Bapona mi bazali moke. Maintenant regardez. Siko botala. La mère aigle là où elle était. Maman Pongo, c'est qu'Azala qui. Quand elle est venue, elle a trouvé que son œuf n'était pas là. Tant qu'on a qu'à mon égard, lui qui n'a pas été. Il s'est dit. Alors, je dois me mettre à chercher mon petit. Na sengeli ko banda ko luka moana nangai. Il est allé, elle est allée, elle est allée. Akendeke, akendeke. Notre mère aigle. Maman a mis son Pongo. C'est Jéhovah. De Jéhovah. Regardez bien mes frères. Bota la balinga mi bandeko. Pour un élu. Même s'il est dans le monde, même s'il est dans les dénominations, le Seigneur ne le laissera pas. Et quand elle est venue, la mère aigle là, elle est venue, elle a crié, elle criait. Maintenant, le petit aiglon a entendu le cri. La profondeur appelle la profondeur. Dieu nous a appelés à la parole. Il nous a choisis dès le commencement. Et il le fait maintenant par l'évangile. Nous avons le salut. Et nous allons posséder l'or la gloire. Maintenant regardez frère. Les poussins, vous savez, la poule peut avoir plus de 10 même poussins. Mais petit, un seul petit aiglon qui était là. Les 10 qui étaient là n'avaient rien entendu. Mais l'aiglon a entendu le cri. Alléluia. Amen. La nature était différente. Les élus sont différents des appelés, des incrédules. Un élu de Dieu, il écoute la parole de Dieu et il se conforme à la parole. La mère règle dit: toi, tu y es aiglon. Maman, yampongo, bio, zali, moi, yampongo. Tu n'es pas poussin. Zali, moi, la sosote. Tu te la poule là-bas. Longwa kuna. Alléluia. Et l'enfant Pemwana a dit: alors, baki, maman, je ne sais pas voler, je maman, ne sais pas venir. Pumbwa, toi, tu voles. Yoko pumbwa. Nous sommes par terre. Il dit: déploie seulement les ailes. La, yo, pandaka, ma déploie papa. Seulement les ailes. Pandaka, ma papa. Dès qu'il a déployé, pandi, il était différent. Et il est allé. Akendeki. Bien aimé frère, Alinga, mi bandeko. Dieu nous a choisis. Zambe, asira ko pona biso. Même cette parole. C'est pas en vain qu'il nous l'a donné. Frère Franck disait dans la prédication d'hier que le 1er janvier 1981, il a vu. Il a vu l'enlèvement. Il y a parfois certaines petites choses, parfois des choses qu'il dit. Nous pouvons trouver que c'est simple. Et pourtant, ce sont des choses grandes. Il dit, une fois dans une prédication, celui qui est avec nous, il est avec Dieu. Alléluia. Il dit, j'ai demandé à Dieu deux choses. J'ai dit à Dieu, comme tu me demandes d'aller de ville en ville, ça demande beaucoup de moyens. Mais je ne veux pas être un mendiant. Pouvoir aux moyens. Et le Seigneur a exaucé cette prière. Maintenant la deuxième demande. Il dit: Seigneur, ceux qui écouteraient la parole, l'évangile, le message du salut que tu m'as donné par ma bouche, ils deviennent des nouvelles créations, des nouvelles créatures. Et deux, que je les revoie dans la gloire. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Si on rassemble les assemblées des branamistes, des tonneristes, et les nôtres, et ils sont très nombreux,
y a un monsieur de l'autre côté là. Lui remplit même à celui seul là, le stade. Mais s'ils se rassemblaient tous. Mais. Merci. Ils ne sont rien, ils ne voient même pas. Ils injurient même les gloires. Ils injurient même cet homme établi de Dieu par Dieu. Mais toi, tu crois. Toi, tu écoutes la parole par sa bouche. Cette demande sera aussi exaucée par Dieu. Il dit, Alobi, le 1er janvier 1981, là, il dit, j'ai vu l'enlèvement. Et j'ai vu les gens qui étaient là. Il estime entre 16 et 17 ans. Même nos calvicies ici. Les cheveux blancs avec mon frère Samuel. Un jeune homme de 16, 17 ans. Est-ce qu'il peut avoir ça? Non? Bien mes frères. C'est une réalité. Nous y serons. Il a vu les gens là. La troupe là. Et ton gars, de vainqueurs, ya balongi, 16-17 ans. Nous aussi, lokola, à cause de cette parole, tina iloba oyu, nous allons rejoindre les autres. Bien mes frères, la parole de Dieu, nzambe, elle est la réalité. Solo na likambo. Dieu qui nous l'a donné, il fera en sorte que ete, le moment venu, so, tango, tango kukuka, nous soyons avec lui. La parce qu'il a dit, alobaki, je m'en vais vous préparer des places. Lorsque j'aurai fini, na silisi, je reviendrai. Na kozonga. Croyez-vous qu'il va revenir? Ta kozonga, je vous prendrai. Na kozwa bino. Croyez-vous qu'il va nous prendre? Ta kozwa bino. Et je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, nous serons avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible, l'écriture d'introduction là, a dit, nous devons être consolés avec ces paroles. Êtes-vous consolés? Et Dieu nous console. L'enlèvement, c'est pour nous. La nouvelle Jérusalem, c'est pour nous. Nous serons à table avec le Seigneur. Comme les anciens, les élus avaient mangé et bu avec lui. Dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons lu dans Exode 24. Nous aussi, nous mangerons. Nous serons avec lui à table. Abraham sera aussi là. Isaac sera là. Jacob sera là. Notre frère Nono sera là. Nous serons tous là. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Dieu notre Père Céleste. Molinga mitata na likolo. Grande notre joie ce soir ou cet après-midi. Si malanzanga ou esengo na biso zali monene. Parce que nous faisons partir des hommes et des femmes que toi tu avais connus d'avance. Ce que nous sommes cet après-midi, Père Céleste, n'est qu'un choix de ta part. Amen. Par rapport à ce choix, pour la bonne pour la mieux. Tu es engagé selon qu'il est écrit dans ta parole. Tu commences. O bandaka. Et tu es aussi celui qui achève. C'est la raison pour laquelle, Père Céleste, nous sommes dans l'attente. Nous te faisons confiance. Malgré nos imperfections et nos faiblesses, tu es décidé d'achever ce que toi-même tu as commencé. Aie pitié de nous pour toutes les imperfections et faiblesses.
Et merci d'avoir permis que ce soir nous puissions écouter ta parole. Mais ce qui est vrai, Père Céleste, ta parole est opérante dans un cœur qui croit. Amen. Que ta volonté soit faite parmi nous, Père Céleste, que la correction puisse avoir lieu de notre Père, que la force qui vient de toi soit notre Père. Merci d'avoir rétabli la vérité et de l'avoir amené à la croyance de chacun de nous. C'est enfin de nous apprêter par rapport au retour de l'époux. Bénis les prédicateurs de cet après-midi. Bénis tous les croyants parmi nous. Merci d'avoir été avec tous ceux qui ont été au service. Bénis Israël, ton peuple. Et nous pensons à nos autorités dans ces pays. Et merci parce que tu sais faire de tes serviteurs des flammes de feu. Bénis le retour de chacun de nous. Ainsi que notre arrivée. Dans le nom glorieux et merveilleux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.